Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va continuer d'avancer à la fois sur la cuisine et sur la salle de bain. Donc dans la cuisine, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a passé la seconde couche d'huile de lin et d'essence de térébenthine sur les carottes terre cuites. Donc le résultat est vraiment satisfaisant, mais je pense qu'on va devoir appliquer une troisième couche pour vraiment bien protéger le sol. Les carreaux absorbent pas tous de la même manière, donc il y a des carreaux qui sont déjà saturés, mais il y en a d'autres qui absorbent beaucoup plus rapidement. Ensuite, on attend une livraison qui contient notamment des échantillons de badigeon de chaux qui vont peut-être nous servir pour couvrir l'enduit chaud chanvre ici dans la cuisine. Donc, comme on vous avait déjà dit dans une des vidéos précédentes, dans la cuisine, on a un petit peu raté notre enduit. En fait, la surface à couvrir était vraiment beaucoup plus grande que ce à quoi on était habitué. Et on a été un petit peu pris de court avec le séchage rapide du chaud chanvre. Donc on va voir si on arrive à tenter légèrement ces murs pour retrouver un aspect qui soit assez satisfaisant. Ensuite, toujours dans le thème de la peinture, notre objectif de cette semaine, ça va être d'essayer de peindre la paroi avec les niches qui se trouvent derrière moi. Et donc pour ça, il ne manque pas grand chose, un léger coup de ponçage au grain 240 et normalement, on devrait pouvoir peindre.
Une fois le ponçage terminé, on prend bien le temps de dépoussiérer nos surfaces, avec un premier passage à l'aspirateur, puis un second avec une microfibre humide. On va donc commencer par appliquer une sous-couche sur nos murs en fermacelle. On a choisi pour ça un produit recommandé par le fabricant de la peinture qu'on a choisi, avec un taux de composé organique volatile très faible.
Le lendemain, on reçoit la livraison des matériaux nécessaires au revêtement qu'on va appliquer dans la salle de bain, ainsi que les échantillons de peinture à la chaux pour la cuisine. On a sélectionné trois teintes afin de trouver celle qui se rapprochera le plus possible de la couleur actuelle de l'enduit. Après deux couches et quelques heures de séchage, il semblerait que la première teinte, à gauche, soit la plus proche de ce qu'on recherche et pourrait être une bonne solution pour uniformiser notre enduit. On va y réfléchir un peu plus. Dites-nous en commentaire ce que vous feriez à notre place. Conserver l'enduit tel quel malgré les taches ou tout recouvrir avec un badigeon de chaux. Alors, comme vous voyez, j'ai aussi avancé dans la buanderie en terminant de plaquer ce mur ici et en créant ce petit coffre autour de la centrale d'eau, donc de l'endroit où on a notre arrivée d'eau et nous nourrissent d'eau froide et d'eau chaude. Donc aujourd'hui, je vais continuer dans la buanderie et je vais m'attaquer au rebouchage des trous de vis et des joints entre plaques. Ensuite dans la salle de bain, où il faut réaliser une dernière saignée dans les blocs de chanvre pour la lumière au-dessus du lavabo. Et j'en profite également pour encastrer une niche prête à l'emploi qu'on va positionner dans la douche.
on va ensuite pouvoir tout reboucher avec un mélange de chaux NHL 5 et de chanvre. L'idée est donc de venir recréer le mélange avec lequel sont fabriqués les blocs de chanvre. La niche est quant à elle scellée avec un reste de colle à la chaux que j'avais utilisé pour coller les blocs entre eux. Pour finir, je m'attaque à la mise en place définitive du plan de travail, sur lequel reposera le lavabo. Thank you.
Voilà qui va nous permettre de continuer à avancer dans la salle de bain, et on a hâte de vous montrer la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt !